On est au camping à Nouakchott. Ben, on s'est mis exprès là pour faire plein de choses, dont une chose hyper importante, c'était bien dormir, et on a hyper mal dormi à nouveau. Il a fait super chaud et il y a eu énormément de moustiques. Donc là, ça fait quand même 4 nuits qu'on enchaîne de mauvaise qualité. Donc là, la fatigue, elle s'accumule et ça commence vraiment à devenir difficile. J'ai moins chaud déjà. Je vais à la douche, je vais laver tout ça. Montre ton toit. Ouais, franchement, pour une première, c'est... je peux pas faire mieux. Hein. Allez. C'est déjà pas mal. Hein. Après 2 jours dans le camping à Nouakchott, on va quitter. On a passé 2 jours ici full parce que je devais faire la deuxième vidéo des Crazy Trotters. Denis a permuté les roues, on a fait notre lessive. Voilà, on s'est reposé, mais on n'a pas bien dormi parce que simplement il faisait trop chaud et qu'il y avait trop de moustiques. Par contre, on va pas vers la frontière sénégalaise, on va vers Attar Shinkéti. T'as vu les rues de Nouakchott? Ça passe, hein? C'est un pire à Paris ou pas? Tout y va bien. Le test du bon pilote off-road. Enfin à Attar, après une bonne après-midi de route, on a fait Nouakchott, Attar, Touchous en mode livraison de palettes. C'est juste arrêté pour manger où là un local nous a offert une bouteille de lait de chamelle. On fait des pancakes au lait de chamelle, ça va être énorme ça. Ouais, des pancakes au lait de chamelle. Et là bah, on arrive entre chien et loup, on va au camping en mode feignasse. On n'a rien à faire au camping, mais bon, voilà. Les bivouacs, ce sera pour les prochains jours. On a travaillé de l'eau et tout pour rien. Ouais. Mais bon, c'est jamais pour rien, le désert. Tu tombes en rade, t'es content d'avoir son lit. On peut voir ça comme ça. Ouais. Là, on est dans la ville, on vient d'entrer. Tout le monde n'est pas éclairé. Hier, je disais qu'un local nous a donné du lait de chamelle, donc c'est ça qu'il nous a donné. Tiens, goûte. Oh. Oh. On aurait dû qu'ils aient mis du sel, mais il a peut-être mis du sel dedans pour la conservation. Et alors, du coup? Non, c'est pas mauvais. Pousse-la, c'est pas mauvais, mais c'est fort quand même. Non, je pense que ça a plus le goût de sel en fait. Je pense qu'ils ont mis du sel dedans pour le... Je pense qu'ils ont mis du sel de... Ouais, sûr. Ça a l'air très bon. Bon alors. T'en penses quoi? C'est vachement bon. Hein. Ouais. Ah, le petit côté salé, fait penser à la pâtisserie... Bretagne. Ouais. C'est les voisins qui roulent le treuil. Regarde. On a passé la nuit à Attar dans une chouette auberge, auberge camping. Donc c'est 500 ouguyas pour la nuit, sans électricité. C'est à peu près 12 euros environ la nuit. Donc dans toute la région ici, donc Shinkéti, Terjit et tout ça, Attar, on va faire des campings plutôt. Parce qu'à la base, on ne voulait pas. Bivouaquer sauvage et tout ça, plus à l'intérieur des terres. Donc, on se dit à un moment donné, il faut aussi être raisonnable, même si sûrement il n'y a pas de problème, hein, mais on voilà, on préfère pas tenter le diable. Donc là, on va aller en direction de Shinkéti. On est parti pour faire ça aujourd'hui. Attar.
Ils vendent le pain dans les brouettes. C'est énorme. Il a du mal à faire le plein. Ça mousse à chaque fois. Tu crois que c'est dû à quoi? Gazole de merde. Gazole de merde. Non, c'est qu'il n'y a pas d'additif anti-mousse. Chez nous, il y a un additif anti-mousse. Ouais, donc du coup la mousse monte et la pompe croit que... Je sais pas. Enfin le pistolet croit que c'est bon quoi, c'est full. Ouh, c'est pas du gasoil, c'est de la bière. Oh. Tu m'étonnes. Oh. Wow. On est allé à une banque pour faire du change. Le problème c'est qu'ils en faisaient pas. Dans les tirettes, il faut absolument une visa, mais même quand on met une carte visa, bah ça fonctionne pas. Il y a un client de la banque qui nous a dit qu'il allait nous faire le change pour nous dépanner. Donc ils nous ont emmenés dans une station essence et bah, c'était bizarre, le gasoil, il moussait et tout. On s'est dit oh, on va pas faire le plein complet avec ce genre de gasoil. En fait faut faire gaffe quand on le prend du gasoil ici parce que la qualité n'est pas la même partout quoi. On a croisé d'autres voyageurs qui avaient leur filtre à gasoil qui était obstrué. À mon avis, ils ont dû faire un plein dans une station essence où le gasoil était pas terrible quoi. Ce serait trop lourd. Attention, il faut donner la fiche. Freinage d'urgence. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Ça va et toi? S'il vous plaît. Shingeti. C'est ça. Tout le monde va à Shingeti. Hein? Tout le monde y va. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est beau. Bon voyage. Merci. Donc sur la route, vous allez voir, il y a énormément de contrôles. Oui, de checkpoints, ouais. Parfois c'est la douane, parfois c'est la gendarmerie, parfois, enfin voilà. Et il faut donner votre fiche au fait. Là, on est déjà, depuis le début du voyage en Mauritanie, on est déjà à une vingtaine de fiches qu'on donne tout le temps. Et il y a plus de checkpoints depuis qu'on va vers l'est, quoi. Vers l'intérieur des terres, il y a plus de checkpoints. Voilà, donc on vient de sortir d'Atar et directement pour attaquer Shingeti, bah, c'est de la piste. Pour changer, une petite salade tomate, concombre et oignon. En Mauritanie, on ne trouve pas beaucoup de légumes. Donc on mange tout le temps la même chose. Déjà, oh, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hein. Déjà au Maroc, on mangeait ça parce qu'on adorait ça, mais maintenant on mange ça parce qu'on n'a pas le choix de manger ça. Oh merde! Mais t'imagines comment ça a dû rentrer? Bah ouais, vu la poussière qu'il y avait, bon bah on va juste faire un petit clean de tout ça quoi. Oh la merde! C'est juste un peu sale. Bon après ça part vite hein, vu que c'est que de la poussière. Tu donnes 2-3 petits coups sur les coussins et puis c'est bon quoi. Les endroits ça. Inaccessible quoi. Ouais. Ouais, bon, on lavera bientôt dès qu'on sortira du désert. Dans une semaine. Bon. C'est bien fermé là. L'erreur, c'est que juste on a changé de rôle. Non, je pense que l'erreur, c'est que tu mets toujours les rideaux. Non, ils étaient pas. Non, ils étaient pas, je te jure. On n'a pas vu. Non, tu n'as pas vu. C'est parce qu'on a changé les rôles et t'as pas les automatismes. Allez! Et je t'avais dit, c'est bon, c'est toi qui fermes. Et t'as fermé, mais à ta manière. Prêt ton
qu'on va mettre quelque chose, Hélène, il faut penser calage, sanglage. Tout va bien. Vois la table, je l'entends derrière. Rien n'empêche de sauter. Il faudrait un truc qui la verrouille, plaqué. La pelle, tu vois, par exemple, elle ne bouge pas. Elle est fixe avec tout le reste. Et ça, c'est pas trop mal. Et toi, le chambi, par exemple. Le chambi, là, c'est pas du tout fait comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Et je pense que dans les placards, les casseroles et tout, ça va pas. C'est pas calé, mais... D'accord. Et en plus, elles sont lourdes, nos casseroles. Donc, bah, en vrai, non, elles vont tout défoncer. Bah, en vrai, les portes du placard, elles ne résisteront pas. Donc, on passe avec des choses plus légères. Et surtout, j'ai pas des blocs de mousse ou quelque chose, faut que les choses soient calées les unes aux autres. Ou alors, mettre des vêtements avec la vaisselle. Là, t'as des paquets de linge, par exemple. Pourquoi tu ne le trouverais pas via la casserole? Ça éviterait que ça saute dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on fera pas. Là, derrière, il y a pourtant des chaînes. Voilà, c'est insupportable. Et ça va pas, c'est agaçant. Parce qu'en fait, ça génère des bruits qui sont anxiogènes, qui t'empêchent de voir les bruits qui pourrait être dangereux, et puis un truc qui tape quelque chose, ben ça va abîmer quelque chose, ça va pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse des progrès. Ah, c'est la table qui est entre la cellule et le land qui fait ce bruit là. À 80 km/h, ça bouge vachement moins à l'intérieur. Deux pattes avant attachées. Ah, ils sont sourds. Ça, c'est bon, ça. Oui, c'est bon, ça. Oui, c'est si bon, ça. Ça, les pattes. Ouais, attendez, vous posez plusieurs de pommes, mon gars. De l'ombre. Waouh, il y a rien des trois chèvres, elles se mettent à l'ombre aussi. On a rencontré un couple d'Allemands qui ont aussi le même ensemble que nous. Et le propriétaire du camping où on est ben, nous emmène dans la ville. Amazing. Ça se transforme en foot, ça. Alors que nous avons l'équipe du Bayern de Munich contre les Diables Rouges de Belgique. Tout ça avec des bâtons et des crottes de chameau. Dingue. Oh la vache. Ouais, j'ai pas tout compris. Ça s'appelle Dama, donc c'est comme les dames chez nous. Ah d'accord. C'est plus compliqué aussi. Ouais, d'accord, il y a plus de pions. En attendant que la bibliothèque ouvre, Denis essaye d'expliquer aux enfants qu'il n'est pas le Père Noël. Soyez la bienvenue dans la bibliothèque de la Habot, la bibliothèque familiale. C'est la Habot qui a pensé de créer cette bibliothèque et pour un 4 étapes. La première étape, le fondateur, il a acquis tout le manuscrit de Shingeti. Au début. Deuxième étape, le voyage en pèlerinage. Okay. 6 mois d'aller, 6 mois de retour. Waouh! Ça, c'est tout le chemin de la Mecque. À la Mecque, 6 mois pour aller d'ici. Oui, oui. Il y a la troisième étape, il a visité vers la Grande Maroc et l'Andalousie. Et ça, c'est la marque qu'il y a avant, et j'étais ramené ici. Ok. Et dernière étape, le manuscrit, écrit lui-même. Au cours de 4 étapes, réunissez 1400 ouvrages, divisés en 12 tomes. Par exemple, le Coran, la science du Coran. Les lois islamiques, les tiratiles, les grammaires, etc. Et tous les 1400 classés dans un classeur, mettez les naphtalines, mettez les thalmites, tous les intérêts. Maintenant, je vais vous montrer un exemplaire, le plus vieux manuscrit daté au 11e siècle, 13e siècle, il est très, 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 très fragile. Le jeune en l'or, le russe oxydopère, le bien indigo, le bonne plante, le noir, le charbon,
Et toutes les couleurs, c'était de gomme arabique. Ok, la gomme arabique. La gomme arabique. Et du coup, ça se lit. Commencez par là, droite et gauche. Commencez par là, droite et gauche. Et pour toi. Ouais, dans ton sens. Tu fais ça. Comme ça. Quand t'as fini là. Comme ça. Ah oui, ok. Tu tournes par là. Ouais, comme les mangas. Tu tournes quoi. Par là. Comme les mangas. Comme les mangas. Les japonais. Comme les japonais. Ok, ok, ok. Ah, c'est magnifique. Très beau. On a écrit de la loi islamique. Cinq piliers d'islam. Je connais. La foi. La prière. La prière. Cinq fois par jour, la prière. La prière. L'aumône. Le ramadan, le jeûne. Et le pèlerinage. Et le pèlerinage. Je m'attire. Ah, il y a tout. Hein. Je m'attire un pot de chèvre. Un pot de chèvre. Un pot de chèvre. Des invitations pour le train de Pythagore. Théorème de Pythagore. Une termite. Une termite. Une termite pour la camion. Ah, wesh. Catastrophique. Waouh. Une termite, c'est quand même. Moi, je suis là. C'est dommage. Ouais, ouais, il était temps qu'il s'arrête là. C'est la vieille ville. Et bah, c'est le désert qui avance, regarde. Les rues sont remplies de dunes. Même pour ces pauvres bêtes, c'est... elles respirent là, je peux dire qu'elles sont. Il leur faudrait de l'eau, quoi. C'est dur pour elles. Waouh. Ça, t'as vu la ville comme ça? C'est dingue. Attends, ça, je te filme. T'as vu? On quitte Shingeti. Franchement, il y a une sorte de paix qui règne là-bas et moi j'ai bien aimé ce côté-là. On peut se balader dans la ville et on a plein de choses à observer, regarder, et c'est vraiment agréable. Pour un photographe, c'est vraiment une ville hyper photogénique, quoi. Les gens sont gentils, après ils veulent absolument que tu leur achètes des choses. On a juste passé une nuit à Shingeti, on prend la route pour aller à l'oasis de Tergit et après on va se diriger tout doucement vers le Sénégal. Comment tu vis ton expérience au port du désert, Sahara? C'est dur, il fait chaud. Là, 35 degrés. Et il est 8h49. Cette nuit, il y avait 32. Ça a descendu à 32, pardon. Et là, c'est déjà 35, ça va monter à 40. Et elle a du vent. Toute la fin de nuit, il y a du vent. Donc ça secoue le truc. Il y a de la poussière qui rentre. T'as la bouche sèche, le nez sèche, enfin les voies respiratoires. Et même en buvant, t'arrives pas à t'hydrater. Quoi. Non, c'est dur. Et le problème, c'est que le soir, donc,
On allume les lumières, les bestioles rentrent. On se dit, bon, on va mettre les moustiquaires, comme ça les bestioles ne vont pas rentrer. Malgré tout, elles rentrent, on ne sait pas comment. Donc du coup, mais vu qu'on a les moustiquaires, l'air ne rentre pas. Donc du coup, on se dit, bon, ben, on éteint la lumière et on enlève les moustiquaires pour avoir de l'air et pas avoir de bestioles. Mais du coup, vu qu'on est dans le noir, voilà, on ne peut rien faire. Donc on va dormir à 20h30, 21h. Et quand tu rentres dans le lit, les draps sont ultra chauds. Et t'arrives pas à dormir avant 1000 ans parce qu'il fait trop chaud. Et l'eau de la douche sur tout froid. Est chaud. L'eau de la douche sur froid fond, c'est comme si tu dis bah je comprends pas, il y a quelqu'un qui a allumé le ballon d'eau chaude, pourquoi il y a. Ah bah non, c'est normal. Un local est venu nous trouver au camping-car pour discuter et à la fin il nous a invité à boire un thé chez lui. Ouais. Ça c'est quoi, c'est ta réserve d'eau. Ouais. C'est une cuve. C'est une cuve d'eau. C'est pas un puits. Et ça, après. C'est pas un puits. Non, non, ça c'est de l'eau. Ah ouais, excellent. Ça c'est de l'eau comme ça toute l'année. Qui amène ça, ouais, tu l'amènes du puits, tu ouais. La mets là. Plein. C'est reste, au château d'eau. Oui, ouais, dans le château d'eau, on reste 10 jours, 15 jours comme ça. Mmh. De l'eau beaucoup. Vous avez lavé, vous êtes baigné, tout. Ouais. Pas de problème. Et tu peux la boire. Oui, la boire. C'est énorme de voir quand même. Ça c'est une petite maison. Ça c'est un petit maison ici. Qu'est-ce qui fait frais là-dedans? Ça c'est une petite maison, c'est solide. Ah il fait bon. Ouais. Ah ouais. Ça c'est l'inertie des murs. Ah il fait bon là-dedans. Non, ouvre pas, c'est bien. Ouais. Mais il fait bon, il fait meilleur. Et c'est quoi ça? La paille? Ça c'est solide. C'est du palmier? C'est le palmier. Ça absorbe la chaleur. Le palmier dans les bâches, les tapis. On restait les pluies dans 15 jours. Pas de problème. Même s'il pleut pendant 15 jours. Ouais, pas de problème. Pas c'est de problème. Étanche. Après, c'est plus compliqué. Toujours, on commence à boire du thé ici. C'est cool. Ouais, pas de problème. Ça me donne. Là, tu vois l'habitat. Et ça, c'est quoi? Pierre? Ça, c'est le pierre. Et après? Le pierre ciment, pour moi. Ça, c'est le travail pour moi. C'est du ciment? Ouais. Le sable, tu en as ouais. Suffisamment? Il y a un peu de sable, les cartons de ciment. Vous avez... T'as du sable, t'as de l'eau, il faut juste acheter le ciment. Oui, trois brottes. Pour un sac. Trois brottes pour le sac. Pour le sac, ben on fait pareil chez nous. Ouais, il travaille comme ça. À la truelle. Ouais. Comme ça. T'as jamais fait ça, Hélène? Non. Bon, comment ça se fait? Regarde, il met du fil. Ah ouais. Il faut du fil de fer pour l'accrocher. Et après, ça pourrit un peu, donc c'est lourd, donc ça tombe. Allez. Salam. Vous êtes bien là. Ouais, ça c'est un petit chambre. Il fait moins chaud que dans le camping-car. Ouais, c'est ça. Dans le camping-car, il fait chaud. Oui, c'est vrai. Ici, c'est très froid. Faudrait que je fixe des feuilles de palmier sur le toit. Ouais. Voilà. C'est pour garder au frais l'espèce de. C'est un eau fraîche. De peau autour. Ouais. C'est pour rester au frais. Ouais, ça, ouais. Okay. Ça c'est de l'eau fraîche, dans l'eau. Fraîche. Ah oui. Tu as amené comme ça. T'as vu, il met dans un plat qui est dans l'eau. C'est comme ça. Ah oui. Une assiette comme ça. Tu as amené les jerrycans comme ça. Il faut laisser les jerrycans. Dans le frais, bien vu. Très okay. Fraîche. Même descendre dans les voitures. Oui. Ah, yeah. Très bien. Le Mauritanie, normalement, il boit des thés dans 5 fois, 6 fois. Ok. Ça va, vous savez. Voilà, j'ai le harp. Ah oui, sinon le thé il vient d'où alors? De Chine? Chine, ça c'est le paquet de Chine. Ça. Ok. Ça c'est le paquet toujours de Chine, tout le thé de Chine. Ok. Choukran. Tu fais ça, Ting, non? Vous faites ça en Mauritanie, non? Si, un peu. Ouais, il y a plein de dates là. Elles sont noires.
Il faudrait les choper, mais un peu compliqué quand même. En tout cas, ça rafraîchit trop, ça fait trop du bien. Quand tu t'approches d'ici, il fait frais. Et quand tu t'éloignes d'ici, il fait super chaud. Maintenant, on reprend la route et on va aller en direction de la frontière sénégalaise. Bon, il est 7h30 du matin, il fait déjà 32 degrés. La température donc est chaude et humide. On est à la sortie de Nouakchott en direction de la frontière sénégalaise. Et on a super mal dormi. J'ai pas d'image parce qu'il s'est passé tellement de choses hier. On est revenu de l'assise de Terry Gitt et en arrivant à notre choc vers 6h30, on a dû prendre de l'essence et acheter à manger. Et du coup, on n'avait plus de liquide, donc il fallait faire du change absolument. On est allé dans un bureau de change. Normalement, en fait, quand on change 100 euros, on nous donne 4000 ougiya. Mais la personne voulait nous donner 3500. On lui a dit non, nous on veut 4000 pour 100 euros. Après, il a demandé à son boss. Son boss a dit ok pour 4000. On est parti chercher l'argent. On y est retourné. Et là, le gars a dit non, c'est 3500. Bon, il dit bon, ok. Là, à un moment donné, il y a une dame qui passe qui dit mais non, c'est pas normal. Tu dois avoir pour ton argent. Je t'emmène chez quelqu'un un peu plus loin qui. C'est un hôtel-restaurant, Le Parisien, et ils te feront le change. On la suit en voiture, elle échange 2-3 mots avec ce gars-là. Après, le gars il dit oui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut qu'il mange au restaurant et il paye en euros et je redonnerai des aiguilles. On mange et puis après, quand on revient pour payer et faire le change, là, le gars il dit non, c'est pas 4000 pour 100 euros. T'es là, mais c'est pas possible, on vient de manger... Enfin voilà, ça va pas quoi, t'es un menteur quoi en fait. Du coup, bah, il voulait pas, là on était piégés parce qu'on avait consommé. Donc on a échangé 50 euros, mais vraiment en notre défaveur. On sort du resto. En sortant du restaurant pseudo-français, Le Parisien, à Nouakchott, donc la capitale de la Mauritanie, on s'est fait accoster par 4 jeunes mauritaniens, super sympas. Et ils disent « Ah, salut, ça va, t'es français, machin ». Enfin, les formules de politesse mauritaniennes sont souvent assez longues. Et puis là, j'ai dit « Ben non, en fait, ça va pas trop parce que je pense qu'on vient de se faire arnaquer au niveau du change dans le resto ». Et là, ils disent « Comment ça? Explique-nous ». Alors, je leur explique. Et là, ils disent « Mais attends, on peut pas laisser ça comme ça. Nous, on est mauritaniens, c'est chez nous, ça doit pas se passer comme ça ». Et puis après, je fais la conversion, je dis « Ouais, bon, ils ont voulu nous arnaquer, en gros, nous tirer 5 euros ». Donc on va pas non plus, non, c'est le principe, et puis quand même, machin. Bref, je suis allé au restaurant avec eux, et puis là, bah forcément, ils sont entre la langue et puis les us et coutumes, ils sont chez eux. Il m'a demandé de redonner le change en ouïga de la monnaie rendue au restaurateur. Le restaurateur a dit, ouais, mais moi je vais te payer. Et le gars, le petit jeune mauritanien, il a dit, bah voilà, 500 ouïga. Rends-moi la monnaie, il a rendu 30 parce qu'on avait mangé pour 470. Il a dit, maintenant tout est clean, le billet de 50 euros. Tu lui redonnes. Le gars était, oh bah vas-y, tout est payé, tout est réglé. Et là, il a ouvert sa caisse, il a sorti le billet qui était bien au chaud, et il me l'a redonné, et on est reparti. Et il a dit, bah voilà, merci, au revoir, bonne soirée, tout. Très correct, ils ont été super, même avec le restaurateur, ils n'ont pas fait des stands et tout. On est reparti, et puis là, je dis, bah oui, mais maintenant, moi, je te dois 470 ouiga. 12 euros, quoi. Donc à peu près, ouais, 11,75 euros pour être précis. Et l'autre, il me dit, non, machin. Hélène est allée au camping-car retrouver l'équivalent de 8 ou 10 euros en pièces, tu vois. On n'avait que ça. Et ils ont absolument pas voulu. Ils ont dit, non, c'est pas normal. Ça doit pas se passer comme ça. Enfin, c'était... Et des jeunes de... Bah, je sais pas, j'espère que je vais pas les offusquer quand ils vont se voir. Mais 17 ans, quoi. 18 ans. Enfin, vraiment des petits bébés d'amour, quoi. Ils ont été adorables en pleine capitale comme ça. Enfin... Ils nous ont vraiment bien dépanné, quoi. Non, c'était vraiment chouette, quoi. Belle rencontre. Et bah, on s'est dit merci mille fois, on est parti. Et puis bah, on n'a pas leur nom, on n'a rien, donc voilà, appel à témoin. J'aimerais bien si vous voyez la vidéo, parce qu'ils avaient regardé sur Helmut, ils avaient noté le nom de la chaîne, puis ils avaient commencé à regarder la vidéo du Maroc. Donc bah, mettez un petit commentaire, donnez-nous votre nom, qu'on reste en contact, parce que c'était vraiment chouette, les gars. Merci. Après, on cherche un distributeur, parce qu'on n'a toujours pas de change, au final. Donc le change, bah, cette heure-là, c'est un peu râpé. Donc Hélène dit, bah, on va trouver un distributeur automatique de billets. Faut savoir qu'en Mauritanie, l'Euro Mastercard ne marche pas. C'est plutôt Visa, le système. Enfin, en tout cas, Euro Mastercard, on n'a pas trouvé. On n'a trouvé que des Visas. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc on trouve enfin un Visa. Hélène y va. Pff, sa carte passe pas. Moi, j'y vais. Ma carte passe du premier coup. Donc je ressors de là-dedans. Je fais le malin. Je dis, ah, regarde, j'ai 4000 ouïga, donc l'équivalent de 100 euros. Et on repart.
Et on va loin, 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 loin. Et à un moment, je dis à Hélène, les clés de la cellule sont où? Oh, je sais pas, roule. Voilà, c'est pas pour me dédouaner. Et on fait au moins 30 km, on se retrouve en pleine pampa. Et presque enlisé d'ailleurs, enfin, à deux doigts. Et là, on sort, on dit, bon bah, il est minuit et demi, une heure, on va enfin dormir. Un repos bien mérité d'une journée ultra longue. Et je regarde pour prendre les clés de la cellule, et évidemment, bah, pas de clés. Donc on est retourné à la banque, on est retourné à une épicerie, on a cherché partout, on n'a pas de clé. Donc heureusement, avant de partir, j'ai planqué un double des clés de Helmut et des clés de la cellule. Et ben voilà, on a double des clés. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse un double. T'as failli avoir une prune aussi. J'ai failli avoir une amende par la police parce que je suis arrivé au contrôle, j'ai pas de ceinture. Comme si on était plus de ceinture. Du matin. Ouais, voilà. Donc, j'ai dit, oh, ben, j'ai perdu les clés, dit sale journée. Il m'a dit, bon. Pour cette fois, ça va, mais pas pour la deuxième fois. J'ai dit merci, monsieur l'agent, et puis on est parti. Voilà. Ah bah, et puis la nuit, 32 degrés. En fait, la chaleur, on est arrivé là hier soir en se disant ah, il fait frais. On sentait la fraîcheur de l'air. Et on s'est réveillé. Moi, je me suis réveillé à 6h du matin. Ouais, on a dormi 4h. J'étais en transpiration totale. J'étais en transe, quoi. Comme quand t'as la grippe, que t'es malade comme un chien. Je transpirais comme un âne. Et en fait, bah, il fait un peu plus frais, 32 degrés à 7h. Par contre, c'est humide, donc du coup, bah, le ressenti est. En fait, c'est pas mieux quoi. Les 40 à Shingeti valent les 32 d'ici quoi. C'est. Oh, il y a un chat. Oh, la vache, elle était belle. Hein. Il y a encore la moustiquaire. C'est vrai. C'est le même que nous, tu vois. Ah ouais. Bah, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Bah, le mec est tombé en panne, les fixations ont pété, je sais pas. Mais pourquoi il coule pas? Tu l'as jeté peut-être sur le côté à fond? Regarde avec son âme. Il explique comment on fait. Il y a une des filles qui a voulu boire et puis elle a balancé le seau dans le puits et j'ai vu la corde défiler et puis tomber. Ah, bien. Good. Tu vois que c'est une canne à pêche, ça sert aussi. Il y a du monde, hein. Bêtise. Tu sais, je savais pas que ça a des cheveux comme ça. Heureusement qu'il fait sec, hein, parce que franchement, avec de
avec de l'eau là, avec les pluies et tout, ça doit être impraticable. Donc là la frontière elle ferme à 6h et il est 17h. Il nous reste 5 km à faire, il paraît que c'est pas... que c'est une frontière plutôt facile. Je vous dis ça après quoi.